Vous vous demandez peut-être un peu où vous nous retrouvez. On est comme ça, des magiciens un peu à notre façon, hein, Stéphanie. Et oui, on est bien là, Sylvain. On est bien. Et Rodolphe, bonsoir. Bonsoir. Rodolphe, bonsoir, vous commencez Rodolphe. À le connaître. Bonsoir. C'est le jardinier de LCN. Et Rodolphe nous apprenait à l'instant que nous sommes dans un superbe décor. Hein, que vous, et vous nous direz tout à l'heure d'ailleurs qui il faut remercier pour ce décor, outre vous qui fournissez bien sûr comme d'habitude l'huile de coude. Mais vous nous appreniez que finalement cette paille, elle est non traitée. C'est une paille qui sert à faire des endives, hein, à cultiver les endives. Tout à fait. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, Rodolphe, de quoi s'agit-il? Alors aujourd'hui, cette semaine, on va parler des arbres fruitiers. Donc la plantation des arbres fruitiers en racines nues. Donc voilà, donc, c'est un arbre qui a été retiré de la pépinière là en début de semaine. Donc ça nous permet, à cette époque-là de l'année, donc comme on dit, le dicton dit, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc ce genre de... Donc là, c'est un fruitier, c'est un pommier. Donc voilà, un beau pommier. Heureusement que vous nous le dites, hein, parce qu'on ne l'aurait pas deviné. Là. Voilà, c'est un cox-orange. Donc voilà, on le reçoit comme ça. Là, je vois qu'il y a une petite branche, par exemple, qui est abîmée. Donc, oui, ça, on le taille. Alors, celle-ci, elle a souffert un petit peu. Hein. Voilà, ça, c'est pour le transport. Donc, toujours une petite taille en biseau et avec un œil à l'extérieur. Comme ça, ça permet à la future branche de repartir à l'extérieur. Vous saviez ça, Stéphanie? Non, je ne savais pas, mais avec Rodolphe, on apprend toujours beaucoup de choses. Alors, pour la plantation, donc, c'est très simple. Comme d'habitude, une poignée d'engrais au fond. Et le petit truc pour les racines nues, donc le petit truc pour les racines nues, on va faire un pralinage, c'est-à-dire qu'on va faire une boue qui va se coller autour des racines et ça va lui permettre d'une très bonne reprise à 100%. Donc on fait un trou à peu près de 40 sur 40. Au fond du trou, on met de l'engrais naturel, bien sûr, un bon terreau mélangé avec sa terre de jardin, on remet l'arbuste, on tasse. On arrose, ça c'est le plus important, on arrose. Et si vraiment c'est venteux, on peut mettre un petit tuteur pour éviter qu'il se couche. Et l'année prochaine, on aura des petites pommes de cox-orange comme celui-ci. Et donc on fait la même chose avec les cerisiers, les pruniers. Alors bien sûr, on va choisir des variétés de chez nous. Évitons le pêcher, l'abricotier en Normandie, surtout dans nos plaines, c'est pas facile. Donc si on veut planter un pêcher, un abricotier, plutôt à l'abri, contre un mur exposé plein sud, et là on peut avoir des belles pêches ou des beaux abricotiers. Mais par contre en plaine, c'est pas facile. Ça, c'est faut éviter. Vous entendez, Rodolphe, vous transformez tellement les studios de LCN qu'on arrive même à entendre les oiseaux. Ouais. Je ne sais pas si vous les entendez chez vous, mais en tout cas, nous, on les croit très présents. Il est formidable, ce Rodolphe. C'est très agréable. Ouais. Une autre petite formule conseil. On peut continuer, donc on peut... Un petit conseil pour la route. Alors, un petit conseil pour la route. Par exemple, là, j'ai mon petit sécateur. Donc, j'ai vu qu'il était un petit peu rouillé, par exemple. Ouais. Donc, on peut le montrer comme ça à la caméra. Et pour éviter qu'il rouille de plus en plus, on prend un petit oignon et on trempe l'oignon dans du sucre et on frotte la lame. Et comme ça, on va enlever la rouille et tout ce qui est un petit peu, on va dire, la sève qui est collante. Et comme ça, on va retrouver un outil très propre et surtout désinfecté. Donc avec un oignon avec du sucre et on frotte dessus. Ça, c'est parfait. Vous avez un jardin, Stéphanie ? Non, je n'en ai pas. Mais vous avez peut-être des bacs sur le balcon ? Non plus, je n'ai pas la main verte. vous nous le rappelez souvent, effectivement. Rodolphe, ce décor, on va le garder, mais il va se modifier parce qu'il va nous accompagner jusque vers la période de Noël où vous allez nous proposer différentes choses et aussi en rapport avec la thématique du Père Noël, bien sûr. Voilà, la semaine prochaine, on va parler donc du sapin de Noël que j'irai chercher très loin. Ouais. Et donc, on va parler de l'épicéa, donc un petit sapin qui perd ses épines, mais heureusement, il sent très bon, donc... C'est le top dans le sapin. Et aussi les Norman, bon, bien sûr, eux, ils ne sentent rien, mais ils gardent ses épines. Donc, je vous montrerai un petit peu des petites astuces pour bien les acheter correctement. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, on aurait envie, finalement, de rester là et puis de terminer l'émission. Mais on a d'autres sujets qui viennent et qui s'enchaînent, Stéphanie. Oui, et juste un petit mot, peut-être, Rodolphe, sur les personnes qui vous ont prêté tout ce beau matériel. Alors là, on peut remercier cette semaine, c'est Castorama qui nous a prêté ce petit décor de table avec les barrières, donc très sympathique. Et puis tout le reste, mes amis maraîchers qui m'ont prêté les bottes de paille, comme vous avez dit tout à l'heure, Sylvain, pour eux, ils s'en servent pour leurs endives. Ouais. Et puis tout ce qui est arbustes et arbres, ça vient de ma pépinière, comme d'habitude. Voilà. Merci, Rodolphe. De rien.